Ça fait 13,70 €, s'il te plaît. Merci. Ah, votre carte ne passe pas, mademoiselle. Ah bah flûte alors. Merci, bah tant pis. Au revoir. Désolé, au revoir, mademoiselle. Bonjour Madame Delleval, comment allez-vous? On n'a pas l'air de son assiette aujourd'hui. M'en parlez pas, c'est une mauvaise journée. Une de plus. Figurez-vous que le distributeur des billets a rejeté ma carte. Gardez le moral, ma petite dame. Et puis, comme on dit, tant qu'on a de la santé, tout va bien. Ah oui, j'allais oublier. Votre courrier, Madame Delleval. Que des factures, bien sûr. Eh oui, c'est la vie. Thank you.
de nombreuses averses en fin de matinée. L'après-midi, le soleil sera présent sur l'ensemble du pays. Sans transition, culture. Bonjour, c'est un grand honneur pour la ville d'Épinay-sur-Seine d'accueillir une des plus belles œuvres d'art de notre temps, la relique sacrée du peuple anastèque de Péruvie australe. Cette sculpture précolombienne est en or massif. Sa valeur est immense. La relique sacrée restera dans notre bonne ville pendant un mois. Venez nombreux au musée, admirez cette pure merveille. Sport, le PSG a écrasé Dublat. Tiens, tiens, c'est très intéressant tout ça. Les enfants, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons visiter le musée municipal. Il y a une très belle exposition en cours. Cela sera une bonne préparation pour la sixième, car l'art précolombien est au programme. Je compte sur vous pour avoir un bon comportement lors de la visite. Basma, Mikael, vous viendrez me voir à la récréation. Vous voulez quoi, maîtresse? J'ai quelque chose de très important à vous dire. C'est quoi? Vous ne faites que des bêtises depuis la rentrée. C'est pas nous? Silence insolent! C'est moi qui parle! Je disais que depuis la rentrée, vos bêtises sont nombreuses. Vous arrosez vos camarades dans les toilettes, vous arrivez tout le temps en retard, vos devoirs sont à moitié faits. Ça ne va pas du tout. Vous savez que je peux bloquer votre passage en sixième si je le décide? Mais c'est pas juste! J'étais malade, et mon petit frère aussi, et ma mère aussi, elle était malade. Mais c'est vrai que c'est pas juste, mon chien il arrête pas de manger mes cahiers. C'est moi qui décide ce qui est juste ou non. Je vais vous donner une chance de vous rattraper. Si vous faites ce que je vous dis, vous passerez directement en sixième. Au musée, il y a un objet que je veux absolument. Prenez-le pour moi et je tiendrai parole. Approchez-vous que je vous dise comment nous allons procéder. Donnez-moi la relique. Je suis fière de vous.
Je tiendrai donc parole et vous passerai en sixième à la prochaine rentrée. Merci, maîtresse. Maintenant, filez vous amuser. Et pas un mot à qui que ce soit, hein. Allô maman? Oui, je dois faire ça avec les copines. On ne se quittera jamais. Tu m'appartiens comme je t'appartiens. Tu la trouves pas bizarre, la maîtresse? Bah oui, j'avoue. On dirait un zombie. Elle fait comme si on n'existait plus. Moi, je pense que c'est depuis le vol au musée. T'as raison, ça fait une semaine qu'on dirait une folle. Ça me fait pitié. On devrait peut-être l'aider. Oui, mais comment? Tu sais, cette statue, celle du musée, c'est ça qui la rend bizarre. Elle peut pas s'empêcher de la regarder. Bah oui, carrément. J'ai une idée. Si on cache la statue, elle va peut-être devenir normale. Mais qu'est-ce qu'on en fera? Je veux pas avoir une malédiction, moi. On va pas la garder, sois pas bête. On va la cacher dans le plafond. Moi, je vais chercher l'escabeau et toi, tu fais le guet. Ça marche. Action. Ouais, allez, go. On n'est pas au cirque ici. Mais c'est quoi ce bazar? Les enfants, filez. Allez,
Madame Delval, vous pouvez me dire à quoi rime tout ce chahut? Mon crâne! Ma relique! Ma relique! Quoi? Quelle relique? Mais ça ne va pas bien dans sa tête. Oh, mais c'est qu'elle veut ma peau, la sauvage! Allô? L'hôpital? Envoyez vite une ambulance à l'école Anatole France. Nous avons une enseignante qui a pété les plombs. Et faites attention, elle est dangereuse. Allez madame, on va gentiment enfiler cette belle chemise. Et sans faire d'histoire. Calme, calme. Ma relique! Ma relique! Ma relique! Je ne sais pas ce qu'elle prend, mais c'est fort, hein. Ah, c'est qu'elle mord l'animal. Fais gaffe, elle a de la force en plus. Je vais vous tuer! Ma relique! Mais c'est une défixe, ma parole. Allez hop, on va faire un tour en carrosse. Jenny, silence. Adil, Lila, vous qui êtes des lumières, essayez de voir ce qui clash avec l'éclairage. Premier de la classe, premier pour l'émission. Je suis au courant, merci. Allez, on va chercher l'escabeau. Allez, tous en récré. Bon, je vous laisse, je vais chercher les élèves. Oh. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ben, montre alors. Regarde, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est beau! Les copains, venez voir ce qu'on a trouvé, venez! Waouh! C'est incroyable! T'as vu comme c'est beau! Waouh! C'est trop beau, on dirait de l'or! C'est de l'or! Il y a un papier accroché au truc, au bidule, je veux dire. Attends, je vais le lire. À celui qui trouvera cette statue, surtout n'y touchez pas, ne la regardez surtout pas. Laissez-la à sa place. Danger de
de mort. N'importe quoi, c'est notre découverte. La statue est à nous maintenant. Je vous laisse seul quelques minutes et vous trouvez le moyen de faire des bêtises. Qui a porté ce crâne? Je vous écoute. Très bien, je vais le ranger. Ça fait trop d'histoire. Vos parents viendront le récupérer. Du calme, les enfants. Nous parlerons de ça plus tard. Nous avons une évaluation à faire. J'ai un paquet de biscuits, vous en voulez? Non merci, j'ai déjà le mien. Bah dis donc, on dirait que tu deviens transparente. N'importe quoi, tu rêves. Mais c'est vrai, vous disparaissez. Just
L'école a été ravagée. Il y a les tâches, il y a des roulants partout, il y a des manteaux, il y a du matériel, il y a de la partout. Taisez-vous, j'arrive. Vous avez vu, on dirait qu'une tornade est passée par là. Bah oui, les placards ont été vidés. C'est les dames de service qui ont perdu la tête. Peut-être qu'elles n'ont pas eu le temps de ranger. À mon avis, ce ne sont pas les dames de service qui ont fait ça. C'est quelqu'un d'autre. Et nos copains sont introuvables. La classe est retournée. Je crois qu'on a un gros problème, là. Je ne veux pas faire mon malin. Mais c'est depuis qu'on a trouvé la statue que tout devient bizarre. Pas bête, mais moi j'ai un plan. Approchez-vous. Et nos copains, ils sont où? Tant que vous ne parlerez pas, vous resterez ici attaché à votre chaise. Calmez-vous, je ne vous veux aucun mal. Vous croyez qu'on va vous croire? Vous êtes un kidnappeur. Non, 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 je viens d'un autre monde. C'est un univers parallèle, si vous préférez. Mon monde est celui des légendes. La statue que je recherche et rester caché en purée pendant de nombreuses années. Elle devait rester introuvable. Mais hélas, quelqu'un a mis la main dessus. Cette relique a un pouvoir maléfique. Je dois la ramener à sa place, dans son univers. Si vous la conservez, vous ne trouverez que du malheur. Et on fait quoi pour nos copains? Je vous promets de faire tout ce qui est à mon pouvoir, afin de retrouver vos camarades. On peut vous faire confiance? Rendez-moi la statue et je vous fais la promesse que tout rentrera dans l'ordre sur la tête de mes 47 enfants. Merci. Je tiens toujours mes promesses. Vous êtes des braves, mes enfants. Un jour, peut-être, je vous inviterai dans mon univers. Si vous aimez les dragons et les fées, c'est pour vous. En attendant ce jour, je m'en retourne chez moi.
Mais qu'est-ce que je fais là? Cruising on the elevator for Mad Mumbai. Sunshine on me with love and smile. Turn the radio on, yeah, rock rolls on. The back and watch is going on, hey. Won't you please release me? Release me with a kiss. Love your smile and a white sky. Just the extra terrific of a journey for a ride. You're a love dream. You're a sweet dream. Hot like fire. You're a love dream. You're a sweet dream. Smile, turn the radio on, yeah, rock, roll, song, back, and watch, it's going on. Sound of me, my head is crashing on the floor. And I keep